Ok. C'est bon. Donc, mes contrats s'est relancé. L'objectif quand même c'est de réaugmenter ça parce que là c'est pas glorieux. Ici on est ok. On est au premier mois. Il va falloir qu'à 6 mois je relance aussi des RICOM. Attendez, je suis en train de calculer là, mais attendez, on va se mettre au troisième mois. Voilà, donc là on est le 1er mars. Enfin, on est la première semaine de mars. Pour arriver à donc 7 c'est juin. C'est ça, donc il nous faut donc mars, avril, mai, juin, donc 4 mois, x 4 ça fait 8 semaines, non, 4 x 4, 4 x 4, 16, donc 16 semaines. Donc on va dire 15, on va dire 15 semaines. Light 2. Ok. Ok, c'est parti. Voilà, ça ce sera pour une autre ICOM. Ah, alors attendez. Parce que ça veut dire que je peux modifier. Non, je peux pas changer. Ok. Oh tiens, il y a une nouvelle arcade, mais je peux pas. Ouais, je peux pas changer. Je peux pas changer de plateforme. Enfin, je dois pouvoir pendant le développement, mais pas une fois que le développement est terminé et que je suis en correction de bug. Du coup, on est à 4 mois. On va attendre un peu. Ace Hunter, c'est le jeu que je vends. Ok, donc ça, c'était mon classique. Oula, ça. Ça rapporte pas des masses, hein. Voilà, c'est ça que je voulais. Du coup. Voilà. On a le jeu en développement qui a besoin de hype. Et après le plus bas, on a Doomguy classique, mais je crois qu'il va mourir. Ouais, il est en train de mourir. Du coup, on remet un petit peu de hype sur Ice Hunter. Allez, sur notre jeu d'arcade. Sur notre jeu sur borne d'arcade, je veux dire. Allez. Alors par contre, inconvénient de ce jeu, j'ai pas l'heure sous les yeux. Ouais, ok. Parce que là, je joue depuis plusieurs heures. J'ai rien vu. J'ai rien vu au temps passé et j'en ai mal un petit peu aux yeux, je vous avouerai. J'en ai qui pleurent. Doomlike 3, 19 millions. Ça va. Ça va, ça va. Alors, faut que je réfléchisse un petit peu. Niveau de mes RICOM. Alors, ça c'est mes grands classiques. Il y a Train versus Cars. Mais si je le sors maintenant, ça n'a aucun sens. Donc là, j'en suis à. Donc on va laisser s'écouler la fin de l'année et on mettra en RICOM ça après.
Du coup, lui, il a ça, il est pas 100%, autant le mettre tout de suite. Allez, terminer le développement. En autodistribution, c'est parti. Alors, par contre, pas dans 15 semaines, on le sort la semaine prochaine. T'as même pas à 80% quoi. Ok. Et on va donc lancer la production. Ok, Toulouse classique, c'est terminé. Il me faut des salariés. Malchanceux, ça fait quoi? Bon, jamais de résultat travail critique, on s'en fiche. En vrai, on devrait peut-être faire une réforme de nos employés maintenant. On a des très bonnes bandes son. Ok. On est en janvier. Du coup, ça peut être le moment de prévoir les RICOM et les GOTY. Du coup, on a Train versus Cars. Alors, je peux monter jusqu'à... Ah merde, je peux monter que jusqu'à 20 semaines. Pas bon ça. Semaines, ça fait quoi ça? Janvier, ça fait 4. Février, ça fait 8. Donc avril, ça fait 16. Non, je suis trop loin. Je peux pas annuler. Je peux pas annuler. Et merde. Bah, je vais repousser au max. Hein. Ah, le con. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est une RICOM qui me rapportera pas de pognon, quoi. Ce qui est très con. Dans le premier, c'était 48 semaines. Du coup, je pensais que j'aurais le temps. Et non, ça va jusqu'à 20 semaines. Malheureusement. Est-ce qu'on envisage un autre jeu ou est-ce qu'on laisse couler cette année-là? Parce qu'on peut le faire, hein. Honnêtement, on peut laisser couler une année. Parce que là, c'est quoi? C'est exploration minière? C'est quoi ça? D'accord, ok. Vas-y, attends. Annule cette tâche. Est-ce que je peux développer d'autres choses? Les options de moteur. Du coup, 41 semaines. Aventure, exploration.
je l'ai pas. Exploitation, c'est exploitation minière. Exploitation minière, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Évidemment, il y a Minecraft hein, qui me vient tout de suite en tête, bien évidemment. Mais est-ce que dans les dés j'ai dungeon? Est-ce qu'on peut faire un dungeon keeper? Ouais. On peut faire un dungeon keeper. Sauf que j'ai pas le l'exploration. Enfin, sauf que j'ai pas le. Que j'ai pas le moteur d'aventure. Donc on va laisser les. On va laisser les trucs se faire. C'en est où Ah, ça se vend toujours. Hein. Ça se vend toujours, ça se vend toujours. Hein. Alors, peut-être regarder un coup d'œil à nos concurrents, parce que je vous rappelle que c'est l'objectif du jeu. Alors. Ok, donc on va commencer par le bas. On a une société à 12 millions là. Il y en a une autre à 15 000. Quoi? Ok, pour le moment, elle rejette les offres. Il y a celle-là à 18 000. Ok. J'ai déjà deux filiales. Putain, 20 millions pour le ploder en. Enfin pour le ploder, n'importe quoi. Du coup. Pas de jeu à petit budget. Donc que des gros budgets, vous me vendez ça. Et ils se mettent en auto-édité. Allez, appliqué à toutes les filiales. Invalide. Si je les passe à éditeur, ça me coûte 25 millions.
Voilà. Après, on pourra, hein, si on veut, éditer les jeux de. Enfin, éditer leurs jeux. Pour le moment, on va pas le faire. Pour le moment, voilà, on achète juste des filiales. Parce qu'on peut. Et du coup, ouais, bon, bah, j'ai raté le train pour. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Train versus Cars, c'est encore en d'actualité. On peut quand même remettre Doomslike, qui a tenu, bordel. Et on remet Ice Hunter. Allez. Alors, il va falloir aussi que je gère autre chose. C'est ma gestion de salariés. Paramètres des salariés. Voilà. On va partir sur. Voilà. On va être une entreprise à la cool. Franchement. Voilà. Faire contrôler tous les employés par l'IA. %, allez, on est bien. Hop. On va laisser ça comme ça. Voilà. Ils ont le droit de prendre des pauses. Ils ont le droit de. Voilà. Ils sont chill. Il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que. Parce que j'ai eu des gothies par contre, hein, il me semble. Ouais, Doomlike est un gothie. Du coup, faudra que j'envisage de le rééditer, lui. Bon, là, ça tient plus. J'ai que deux jeux classiques et Ice Hunter en vente, donc il va falloir que je développe un nouveau jeu là. L'exploitation minière, tout ça. J'ai pas fait le. Je l'ai fait le moteur, je sais même plus. Je l'ai pas fait. Il me reste combien de temps? 10 semaines, c'est mort. Du coup, on va plutôt développer un autre jeu. Bon, on va faire une suite. Écoutez, Doomlike, ça a l'air de bien marcher. On va pas se priver. On va pas se priver. Alors, avant. J'ai un peu de temps. Hein. J'ai un petit peu de temps pour ça. D'accord, alors j'ai la notification comme quoi ce truc-là m'appartient, c'est ça? Apparemment. Je l'avais pas vu ça, je l'avais pas vu lorsque j'avais fait ma partie précédente. Apparemment j'ai une étoile quand c'est une filiale qui m'appartient. Du coup on est ok là? On est ok. Attendez, il y a d'autres kits à voir avant. Ah, on a les ordinateurs. On a les ordinateurs personnels. Mais oui. Voilà. Bordel, alors ça, par contre, on n'a absolument aucun.
Plus convivial. Putain, plus convivial et plus confirmé. Non, mais ça se... Plus de niveau, plus de mission. Trop de violence, allez vous faire. Donc plus de niveau, plus de mission et c'est un petit peu trop facile. Du coup, déjà ça, voilà, on sait que de toute façon c'est du plus 16. Il voudrait que ce soit un poil plus facile, donc on va diminuer d'un. Et plus pour les joueurs occasionnels. Ok. Ils ont dit plus de niveau et plus de missions. On va donc baisser un petit peu la... non, on va garder ça, on va baisser sur l'innovation. Plus de convivialité débutante, ils avaient dit aussi. On va baisser la profondeur de jeu. On va essayer comme ça. On va baisser un petit peu la technique pour augmenter le gameplay. Voilà. On va le laisser faire, hein. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. On a du pognon, on n'est pas pressé, du coup on va le laisser faire. Par contre, j'ai mon jeu d'arcade qui est en train de se casser la tronche. Est-ce que j'ai... J'ai encore un grand classique à vendre. Alors. Donc là, on va considérer qu'on est en avril. Avril, là. Donc, mai, juin. Donc 2, donc ça fait 8 semaines. Donc on va partir sur 7 semaines. C'est Doom Like 3. Ok. Alors ensuite, j'ai le... Je m'attends pause. J'ai le Gotti Edition. Ça, par contre... Pareil, cette semaine. On va faire le Gotti. Parce qu'il a été élu jeu de l'année, celui-là. Ça a d'ailleurs été mon seul jeu qui a été élu jeu de l'année. Et dans 29 semaines, je pourrais mettre West Horse Race 2. En vrai... En vrai, je vais publier. Je vais le publier parce que de toute façon. Hop. Ouais, faut que je publie maintenant. Faut que je publie maintenant et que je change déjà le prochain jeu. Pour 90%. Ok. Et je vais lancer le prochain jeu. Il faut que j'ai un moteur de course. J'ai déjà un moteur de course, je crois.
J'ai juste l'amélioré. On va changer de plateforme. Voilà. Ok. Wow. Là, il y a des trucs à rechercher là. Ok. Du coup, j'ai Doomlight 4. Qu'il faut que je produise. Génial, je peux développer sur 4 plateformes simultanément. Ah, du coup, notre jeu de randonnée sera un jeu de d'arcade. Ce qui n'a aucun sens. Mais bon. Eh merde! C'est pas grave, il durera suffisamment longtemps. C'est pas grave, il y a Doomlight 4 dans l'eau. Donc ça, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, on va prendre le temps de le développer. Sachant qu'on a 54 semaines. génial! On va pas pouvoir profiter vraiment de cette hype. C'est pas grave, on fera avec. Du coup, ce sera un jeu d'arcade. On va appeler... sais rien. Bon, on va voir un petit peu. Donc il faut que ce soit course, une aventure. Donc il faut que ce soit de la rente. Est-ce que j'ai au moins le. J'ai pas le thème. J'ai pas le thème. J'ai pas le thème. J'ai pas le thème. Randonnée. Randonnée, qu'est-ce qui irait avec ça? Forêt peut-être? Montagne. Route, j'en sais rien. La randonnée, nature. Pas nature. Les chasseurs de trésors qui pourraient aller. Comment on dit écureuil en anglais? Zut. Squirrel. Évidemment. Mettre un S majuscule.
Marqué run. Squirrel run. Voilà. C'est cool, c'est simple, c'est voilà, c'est un truc mignon. Du coup, moteur de course sur. C'est ça, de toute façon, j'ai pas d'autre. Ouais, y a un nouveau truc, mais c'est pas. Ça me concerne pas. Donc, ok. Ah, on a des infos. On a des infos. Ouais, mais des infos qui m'aident pas beaucoup. Alors, je veux que ce soit un truc tout mignon. Et pour les gens plutôt occasionnels. Je veux que ce soit un truc masse graph. C'est rien. Ouais, c'est un jeu de course, on s'en fiche. Faut surtout que ce soit beau. Qu'il y ait les sons de la nature et puis. Et la technique, on va. On va partir là-dessus. Bien, oui, et on va polir un petit peu tout ça parce que c'est bien beau, mais. Hop. Ok, donc il y a des bugs pour le moment, donc on continue le développement. Bon, on a un petit peu de temps. Ce que je vais faire, c'est regarder encore mes concurrents. Où sont mes concurrents? C'est plus là, éditeur et. Alors, est-ce que les éditeurs maintenant on peut les acheter? Non, on peut pas. Si on peut. Alors, ça c'est nouveau. Avant je pouvais pas. Mais remarque, c'est les mêmes en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est les mêmes sociétés en fait. C'est les mêmes sociétés que les développeurs, c'est juste que. Ouais, ça doit être. Du coup, est-ce que eux maintenant ils acceptent de se faire racheter? Oui. Surcode, ok. C'est bon, on a trois filiales. Au niveau du bilan. Ah. Oh. Allez, dis-moi que c'est le jeu de l'année. Oui, c'est le jeu de l'année. On va pouvoir refaire un GOTY de ça aussi. C'est pas mal. Bah, le GOTY, c'est de l'argent de poche, hein. Et Doomlight Classic, ça rapporte rien. C'est juste un peu de beurre dans les épinards, hein. C'est pas. C'est parce qu'il faut bien que ça sorte, quoi. Autant que ça sorte, quoi. Ah oui, il faut qu'il sortirait du marché pour pouvoir le vendre, évidemment. Du coup, dans mes grands classiques, il y aura ça à sortir. Mais on va attendre un petit peu. Ouais, du coup, Squirrel-like, de toute façon, il faut qu'il sorte maintenant. Parce qu'il me reste plus beaucoup de. Voilà, 23 semaines, du coup, autant le vendre maintenant.
De toute façon, c'est de l'autodistribution, c'est de l'arcade. Ah, il est pas ouf, hein. J'aurais peut-être dû le laisser un peu plus. Allez, Squirrel Run. Hop, c'est parti. Donc ça rapporte du pognon sans qu'on ait à s'en soucier. Est-ce que je sors une suite sur console? 25 semaines pour ça. Vas-y, allez, let's go. On va faire une suite. Squirrel Run sur PC et console. Tac, tac, tac. Du coup, j'aurais dû préciser arcade pour Squirrel Run. Mais c'est pas grave. Alors, sauf que non. Faut d'abord qu'on sorte le rapport. Après, on peut déjà envisager de faire Doom Slayer 5. Hein. On peut toujours. Hein. Non, pas sur borne d'arcade. Suite sur PC. On va l'appeler pareil. C'est pas grave. En fait, c'est comme s'il avait, il était sorti sur 5 consoles, quoi. Sachant que la cinquième, c'est l'arcade, quoi. Pas mal, ça. Pas mal, on a pas mal d'infos. Ah! Ah ah ah! Alors ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à développer des jeux A. Là, le rythme du jeu va baisser. Hein. Parce que là, je commence à faire des jeux déjà un peu plus compliqués. Allez, on va chercher les jeux de type A. Et vu qu'on est à la cinquième, au cinquième mois, là, je vais sortir aussi. Mon grand classique. Voilà. Alors, faut qu'il sorte dans 6 semaines, hein, si j'ai pas de bêtises. On va même le faire sortir dans 4 semaines. Voilà. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Alors, voyons ce qu'il en a besoin. Squirrel Run, évidemment. Squirrel Run PC.
Et ma réédition, il y a que ça. Ouais, de toute façon, ouais, hein, c'est ça. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok. Il me reste combien de temps? Ça sort maintenant, ça sort maintenant, ça sort maintenant. Hey, une semaine de la fin, avec hein, que ça sorte maintenant. Hop. Et on va avoir le nouveau. On va avoir la nouvelle tendance dans quelques secondes. Allez, c'est la dernière semaine. Tac. Nouvelle tendance. Sport, elf. What? Hein? Des elfes du sport? On peut mettre des elfes de maison sur du Quidditch, hein, mais c'est. Oh. Au secours. Bon. Je réfléchis. On le fait, hein, de toute façon, hein, on est parti là-dessus. Il me faut combien de temps? 76 semaines. Ouais, alors on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut développer en plus. Parce qu'on a quelques genres. En plus, le genre sport, je l'ai même pas. Donc, autant déjà commencer par le développer. Une fois que je l'ai, il va falloir que j'en fasse le moteur. En plus, je suis même pas sûr d'avoir le thème qu'il faut. Bon, Doomlike, ça rapporte rien. Ça a rien rapporté du tout. Mais bon, c'est toujours ça. Les trois classiques. Ok. Du coup. Nouveau moteur. C'est sport, hein. Ah, Doomslike 4, Doomslike 4 qui vient de partir. Va falloir qu'on développe le 5. Les objets de. Ah! Combien ça me coûtait? Ça m'a pas coûté des masses en plus. Mais je viens de tout mettre à jour. Tous mes.
Mais mes machines là, vous voyez, elles sont passées en vert et tout. Je viens de changer donc tout l'équipement de mes bureaux. Et donc je viens de tout upgrade. Je viens de tout moderniser en un clic. Et cette option là, elle est géniale. Cette option de mettre à jour automatiquement tous les objets, ça met à jour tous les bureaux, ça met à jour. Voilà, c'est le top du top. Ce qui fait que mes employés ont plus de confort, ont plus de facilité à travailler parce que voilà, ils sont dans un meilleur environnement. C'est mieux pensé, enfin voilà. Donc ça c'est top. Ça c'est top. Allez, on va se faire les elfes là. On va appeler ça elf soccer, on s'en bat les steaks. Hop. Mon jeu d'arcade là, juste. Ouais, c'est bon, il est encore là pour un bout de temps. Voilà. Et notre premier jeu A. Sport, action, stratégie. J'ai les elfes. Et j'ai le football. Nickel. Nickel, nickel. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. Je vais jeter un œil au kit quand même. Ouais, j'achète tout, hein, m'en fiche. Hop. C'est parti. Toute façon, on a 7 mois là pour. Enfin 6 mois ouais pour. Même un peu plus. Pour pouvoir le développer. On va attendre que le prochain. On va attendre. On continue le développement. On va voir. Si au mois 6. Ouais, si au mois de juin, on est. Ouais, ce sera pas prêt pour juin. Si, il est prêt pour juin. Bon. On va juste attendre. Un poil. On va vraiment l'augmenter à fond. Publie maintenant. Parce que je suis à une semaine de la convention. Du coup, la semaine prochaine, ça, pas de souci. Ok. Pour 81%, on dirait que ce sera suffisant. Et on va tout de suite lancer la Doom Life Cycle.
Doom-like 5. En jeu A. Faudrait que je mette à jour mon moteur d'adresse. On va s'occuper de ça après le développement. Alors, voyons un petit peu. Si je baisse encore la profondeur de jeu pour augmenter la durée de vie, que je baisse un peu l'histoire pour augmenter la conception des personnages, qu'on le met en encore plus violent. Qu'on baisse le son, qu'on augmente les graphismes. Qu'on baisse la technique pour le gameplay. Et tout ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça, j'ai ma convention. Donc, je vais pouvoir mettre F-Soccer. Je vais pouvoir mettre mon jeu en développement. Qui est déjà à 50% en plus. Et je vais pouvoir remettre Squirrel Run, mon jeu d'arcade. Let's go! Let's go, c'est pensé, tout ça, c'est pensé. Ok. Faudra que je pense après, donc courant du mois de mars prochain, de voir Americom. Americom et Amegotti. Du coup, ça on continue le développement, il y a des bugs. En vrai, on a largement le temps. Non, on n'a pas largement le temps parce qu'il faudrait qu'il soit publié avant la fin de l'année. C'est-à-dire maintenant. Ok. Ça c'est parti. Et encore des options de moteur. Doomlight 5, jeu de l'année. Encore un GOTY! J'ai bien fait de le publier maintenant. C'est le tout dernier jeu qui est sorti de l'année. Et c'est le... Voilà. Voilà. C'est ça de jouer avec le calendrier. Ah, super. Squirrel Run PC, terminé, malheureusement.
Est-ce qu'on n'augmenterait pas... je suis en train de penser à un truc. On peut faire ça. On peut augmenter la quantité de salles et commencer à accepter des jeux des filiales. Pour le moment, j'ai très peu de filiales, donc en vrai... là. Et justement, je voulais voir ça dans les finances. Finances annuelles. Les filiales. Normalement, j'ai... à la filiale. Ouais, ça m'a apporté 2 millions l'année dernière. Pas énorme, mais c'est toujours 2 millions, quoi.